3, 4. Monsieur le Premier ministre, je vous fais une lettre. Il faudrait reconnaître le racisme systémique. Depuis plus de 4 siècles, on est bien malhonnête et on court à notre perte de tuer nos ancêtres. Ces gens étaient ici bien avant nos bateaux, bien avant nos chapeaux de castor, de perdrix. Tout ce qu'on a amené, c'est de la guerre et du drame. On a violé leurs femmes, on a tué leurs bébés. J'aimerais bien qu'on se le dise, c'est pas des petites bêtises que tuer tous ces artistes. Ils savaient les canaux et n'avaient pas de drapeau. Ils savaient la médecine qu'on trouve dans les racines. Leur vieux ils respectent et ils écoutent parler, leur donne les bons morceaux, la chasse des animaux. Si on les écoutait, y aurait plus de problèmes dans notre écosystème. Planète, moi, sauverai. Monsieur le Premier ministre, m'en viens ben écœuré, voir qu'il y a rien qui a changé, nos habitudes sinistres. Moi, je suis un souverainiste, comme vous. Un pays, ça se fait pas sans écouter la liste de tous ceux qui ont mal, de ceux qu'on a floués. Faut demander aux volés si on a été volés. Demandez pas aux voleurs. Vous le savez qu'ils ont trop peur. Jamais ils admettront qu'on a brûlé la maison. Monsieur le Premier ministre, c'est sûrement une belle chance que d'être la balance qui peut taire l'injustice. Tout ça est entre vos mains, mais grouillez-vous le bécile. On est à fin du cycle, j'attendrai pas demain. S'il faut que je crie tout seul, me crier en colis, qui meurt de notre système. Moi je dis il faut qu'on s'aime. Écoutez, c'est
portent des petites barrettes sur leur veston. Ils en parlent, mais ils disent racisme et non racisme systémique. Parce qu'ils savent que ça, c'est sur eux, genre s'ils disent ça, puis il faut qu'ils fassent des changements, puis tout. Puis c'est toujours la même affaire, genre c'est des longues étapes, puis tout. Là. Si on fait là, nos futurs enfants, si on fait là, nos futurs enfants ne vont plus vivre genre de racisme systémique. Ça va prendre du temps, genre, je pense que ça va prendre du temps. Comme ça va être fini, genre, quand c'est genre ces longues étapes-là, quand les futures générations vont être là. Ma génération le vit. Si on le fait là, ces longues étapes-là, nous, les futurs enfants vont pas en vivre, vont pas en voir, puis ils vont pas en entendre, ils vont pas en vivre, genre. Je le dis deux fois, ils vont pas en vivre parce que j'ai peur qu'on oublie encore. Je veux pas qu'on oublie encore. Je suis épuisée. De voir des Chantal, des Colton, des Terry, puis des Joyce vivre ça, genre. Vivre du racisme systémique. Je suis épuisée. J'ai le cœur brisé. Je suis épuisée. Et j'espère que les gens vont se réveiller sur ce. Que on veut du changement depuis plusieurs années. Mais il n'y a rien. Je suis trop gentille. Je dis pas plusieurs années. C'est... Ça fait plusieurs siècles qu'on demande des changements, puis il n'y a rien. On écoute, on accepte des lois par le gouvernement. On respecte ces lois, mais nous autres, est-ce qu'on nous respecte? C'est pas ça que je vois, en tout cas. C'est plus genre des respects sur des lois, c'est plus des respects comme dans des ententes et tout, c'est des... On veut aussi un respect... envers nous, d'une manière humaine. On aimerait ça guérir sans avoir peur. On aimerait ça avoir de l'aide sans avoir peur. Sans avoir peur de venir dans des postes de police ou dans des hôpitaux, tous les services publics, mais non, genre, on a zéro ça, genre. Moi, j'ai peur d'aller voir la police. Depuis 2014, j'ai peur d'aller voir la police, oui. C'est pas nouveau. Le racisme systémique n'a pas apparu cette année, c'est là depuis plusieurs années.
J'ai envie de crier, mais genre, ça fait tellement longtemps que j'ai cette colère en dedans de moi. Que c'est contrôlé. Je suis capable de contrôler ma colère sur ce racisme parce que ça fait tellement d'années que je vois ça, que je suis témoin, que je suis victime, que je suis capable de pas crier. Je peux le dire d'une manière très bas et tout pour que les gens me comprennent et tout. Si je crie, on va me dire que, tu sais, je me demande si les gens pensent si, quand je crie ou des trucs comme ça, quand je pratique mes rituels, quand je porte genre de l'artisanat, d'artisans super talentueux, ils pensent que c'est comme... Je suis sauvage ou des trucs comme ça, là. C'est plate que je pense ça de même, genre. Fait que non, je veux pas crier parce que... Je suis tannée de crier, genre. Ça fait plusieurs fois que je crie. C'est ça.